Uh, François has a PhD from Pierre and Marie Curie after an engineers degree from École des Ponts des Chaussées. I'm sorry he's a assistant professor in artificial intelligence until 97 when he joined Sony a Computer Science Laboratory in Paris to conduct research on interactive music listening, composition and performance. He has developed several award-winning technologies such as constraint-based sp specialization intelligent music scheduling using metadata and systems, music space continuator for interactive music improvisation, and Flow Composer, which paved the way for AI-based score compo composition. composition. Francois Pachet has published intensively in artificial intelligence and computer music. He was elected Your AI oh Fellow in 2014, and Doctor Honoris Cosa of uh, University of Pernambuco in Brazil. Um, and he's the principal investigator of the Flow uh, machine of ERC funded project which produced Daddy's Car, a song in the style of the Beatles, and Hello World, the first mainstream music album composed with AI. And finally, he's a musician and has published two music albums, um, Jazz and Pop, as composer and performer, as well as augmented, an augmented book about the ontogenesis of musical ear, Histoire d'une oreille. Right. Merci François. Um, c'est un vrai privilège de vous avoir. No, Merci. Bon. Uh, is there anyone here who does not speak French in the audience? By the way, like someone that, who does not speak French can tell everyone. Donc tout le monde parle français. Je ne sais pas, except some people here on the stage. So, donc c'est peut-être plus facile en français. <laughs> eh ben, c'est pas facile de parler de musique après avoir entendu parler de, disons, des problèmes militaires et de, du cancer et tout ça. <laughs> Euh, évidemment, je vais passer pour un type moins sérieux, et d'ailleurs, c'est vrai, il a raison, Christophe, c'est beaucoup moins grave ce qui se passe en musique. Mais je vais essayer quand même de dire quelque chose, euh, et de parler en effet de l'application de l'IA à la musique, parce que je pense que ça dit et ça montre des choses en fait très intéressantes. Euh, première chose que je. Je les slice en anglais, je parle en français. C'est qu'en effet, euh, l'IA, je suis tout à fait d'accord avec euh, d'ailleurs ce qu'a qu dit Christophe, on se connaît puisqu'on était à l'université ensemble il y a longtemps. Euh, L'IA peut sans doute être le meilleur l'être humain partout. Oui, partout, probablement, sur ce qu'on appelle les domaines, les problèmes bien posés. Et un problème bien posé, c'est quelque chose qui existe en science. D'ailleurs, en science, on ne s'intéresse qu'aux problèmes bien posé par définition, sinon c'est hérétique, n'est-ce pas Et un problème bien posé dans le cadre du machine learning, c'est un problème pour lequel il existe, il existe en fait une fonction calculable, mathématique calculable, qui vous dit si grosso modo une solution du système est bonne ou pas. Soit c'est F10, soit c'est bon, soit c'est 0, soit c'est 1, soit c'est un truc un nombre. Et c'est le cas de tous les problèmes dont on a parlé aujourd'hui, euh, que ça soit le go, évidemment, ou les échecs, puisqu'on gagne ou on perd. Ça, c'est facile. C'est très bien posé comme problème. L'identification de visage, c'est bien posé. C'est le bon c'est pas le bon. de tumeur, etc. On a ce qu'on appelle des, des données d'entraînement, du ground truth. On sait à l'avance, sur un certain nombre d'exemples, ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Et on essaie de l'apprendre. Un une voiture qui roule toute seule, aussi, c'est très bien posé. On veut que la voiture suive le code de la route, tue le nombre de personnes minimales par seconde, etc. Donc, tout ça est parfait, c'est très bien posé. Et la manière dont ça marche, je, là je ne je parle pas d'IA en effet, mais plutôt de machine learning, c'est qu'en effet on a des exemples euh, pour lesquels on connaît la réponse et on va essayer de généraliser ces exemples et de pouvoir calculer la réponse sur de nouveaux exemples. Mais en fait ce qui va se passer, c'est qu'on va faire donc, la prédiction, la classification, du clustering, l'identification, etc. Et tout ça marche effectivement très très bien pour des raisons, je ne vais pas m'apesantir là-dessus. Et donc, euh, <coughs> ce, qui, ce qui est compliqué à comprendre, c'est qu'on peut aussi... Euh, utiliser ces techniques pour des problèmes mal posés. C'est de ça dont je veux parler et c'est là aussi, ça, 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 ça permet de faire des choses intéressantes. Alors avant de parler des problèmes mal posés, bon d'une part les modèles, je n'en reviens pas, je pense que Cédric a dû parler des réseaux de neurones, mais il y a des, des modèles donc, qui permettent de faire ça très bien. Et il y a dans la musique et d'ailleurs dans l'industrie de l'entertainment, donc les choses moins sérieuses que euh, la maladie ou la mort, euh, tout un tas de problèmes bien posés. Il y en a un qui est remarquable récemment. Le deep learning a permis de résoudre un problème qui, jusqu'à présent, était considéré comme extrêmement difficile par les mathématiciens et les spécialistes de traitement du signal, qui est la séparation de voix. Les problèmes qu'on appelle l'effet de cocktail party. Vous avez, vous avez un mix de différentes sources sonores et vous essayez de les décorréler. Et bien, ça, c'était un problème qui occupait des, des légions, des régiments, n'est-ce pas, pour faire un peu le... Entier de chercheurs très 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 forts, et tout d'un coup avec le deep learning, comme on a beaucoup d'exemples, on s'aperçoit qu'on faire ça parfaitement. Donc par exemple, maintenant on peut prendre un morceau de musique quelconque et enlever la voix et avoir que la voix ou bien le morceau sans la voix. Les applications, le karaoké, etc. sont nombreuses, mais c'est pouvoir dire que c'est des problèmes bien posés. On sait exactement ce qu'on veut. Hein, on veut séparer en l'occurrence et on a des exemples. Donc il y a plein de problèmes bien posés. Donc tout, tout ça, je ne reviens pas là-dessus. Euh, pour lesquelles, donc, euh, les choses euh, sont nouvelles. Et effectivement, ça, encore, Christophe a encore mentionné, il y a des domaines, en fait, euh, mal pos euh, des problèmes mal posés. En fait, c'est quoi les, domaines, les problèmes mal posés Grosso modo, c'est euh, ce qu'on appelle l'art. Que ça soit la musique, la photo, le, le roman, le film. En fait, il n'y a pas de définition de ce que c'est qu'une jolie mélodie, une jolie, une, un, beau, un beau tableau, un livre intéressant... Euh, une recette savoureuse, tout ça est très 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 euh, mal posé, puisqu'il n'y a pas de réponse objective, et, en, et heureusement d'ailleurs, parce que sinon ça sortirait du domaine artistique. Euh, et donc, dans ce domaine, donc depuis quelques années maintenant, euh, les techniques de machine learning sont néanmoins utilisées. Mais comment, comment ça se fait Pourquoi En fait, ça devient un truc très simple c'est que si on est capable de prédire avec une certaine probabilité, quel est le prochain événement, par exemple dans une séquence, ou si on est capable de prédire une classe, ou je, et bien on peut du coup faire ce qu'on appelle du sampling, c'est-à-dire on peut générer, avec la probabilité de la, pr la prédiction, on peut générer la, la prédiction en, en question, et donc on peut construire de nouveaux objets. Voilà. Donc en fait, le sampl, ce qu'on appelle le sampling, en anglais, ou l'échantillonnage, qui consiste donc à créer des nouveaux échantillons d'un modèle, euh, ça se fait exactement avec les mêmes techniques que celles qui permettent de classifier ou de prédire ou d'identifier. En fait, c'est les mêmes techniques qu'on utilise un peu différemment, mais fondamentalement les mêmes, donc aussi puissantes. Simplement, évidemment, euh, on n'a pas, euh, on pas de, de problème bien posé, puisqu'il ne s'agit pas ici de, par exemple, je vais parler de musique, donc. Euh, d'apprendre à ce que c'est qu'un beau morceau de musique. Alors ça, je, je vais peut-être compresser mon talk et, et parler moins de ce que j'ai dans mes slides, mais je reviens là-dessus parce que je pense que en, en continuité avec ce qu'on a entendu avant sur le, les, la santé, par exemple, où on a effectivement des données qui par définition sont bonnes puisqu'elles décrivent des vrais cas. Le problème est de les collecter, d'avoir les droits, etc. Mais en musique et en art, on a aussi beaucoup de données. On a, par exemple, vous pourriez dire, bon, bah, on sait très bien ce que les gens préfèrent aujourd'hui en musique. Il n'y a qu'à regarder la popularité, ce qu'on appelle la popularité en anglais, c'est-à-dire le succès de tels morceaux de musique. D'ailleurs, on pourrait le faire avec n'importe quoi. On pourrait le faire avec des voitures. On pourrait le faire avec des, avec absolument n'importe quel objet culturel. Et on pourrait se dire, bon, on n'a qu'à apprendre ça. On a des données. Voilà. Alors, ça ne marche pas du tout. Et je n'ai pas beaucoup le temps de le, temps de le dire pourquoi, Et pour des raisons fondamentales. Euh, il a été montré, euh, il y a un article de Science, je m'excuse, c'était un peu un articles scientifiques de 2006 de Salganik et Watts. Watts, c'est lui qui a inventé un peu la théorie des réseaux modernes. Qui montre de manière absolument flagrante que, au fond, euh, la popularité d'un objet culturel ici, que ce soit la musique, euh, des paires de chaussures ou n'importe quoi, euh, euh, est totalement dépendante des conditions initiales. C'est-à-dire si on pouvait revenir en arrière dans le temps et recommencer, il suffirait que la météo soit un tout petit peu différente ou quoi que ce soit, et tout serait probablement très différent. Ça ne veut pas dire que euh, les préférences, euh, les, ce qu'on appelle les hits, sont des choses aléatoires, pas du tout, mais ça veut dire que leur détermination, leur choix, etc., sont, sont très, 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 très largement non objectifs. C'est-à-dire que ce qui fait la popularité d'un objet est très largement, pas dans l'objet lui-même, mais dans la dynamique de la société qui, qui, qui le consomme, pour prendre des termes un peu capitalistes. Et donc on ne peut pas apprendre, parce que ces données sont tout simplement chaotiques. Alors qu'est-ce qu'on fait bah on va apprendre quand même d'autres choses et je vais peut-être juste passer un tout quelques minutes, quelques secondes à montrer de ce qu'on fait et puis conclure sur ce qui me semble le plus intéressant à retirer comme enseignement. Donc moi j'ai fait. Euh, des expériences, on pourrait dire, comme, en tant que scientifique, j'ai voulu euh, m'intéresser à l'IA et à la musique depuis longtemps, et j'ai voulu aller jusqu'au bout, ne pas rester dans un labo à faire des démos. Et j'ai voulu, en effet, faire des vrais albums avec des vrais musiciens pour des vraies audiences, pour aller jusqu'au bout de la démo, et voir euh, mettre, disons, à l'épreuve à l'épreuve de nos écosystèmes euh, culturels, euh, l'idée de faire de la musique avec de l'IA. Donc j'ai fait quatre choses, éventuellement, Effectivement, en 2016, on a sorti ce... ce ce titre des Beatles. Bon, les Beatles, c'est un monument en musique. Évidemment, euh, c'est très difficile de, de faire quelque chose dans le style des Beatles. On a fait, un, on a fait un, un morceau qui, je pense, peut être, peut être considéré comme un pastiche. Ensuite, bon, je vais en parler très rapidement. Ensuite, on a fait un album, *Hello World*. On a fait deux en fait. Et puis récemment, on a fait un nouvel album qui est aussi intéressant. Et je vais juste dire des, des petits exemples à chaque fois très rapide. Bon, pour les Beatles, euh, donc vous connaissez cette chanson. Mais il y a des gens qui aujourd'hui ne connaissent plus les Beatles. C'est vraiment très déprimant. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a donné en entrée d'un système d'IA, je ne vais pas décrire, une quarantaine de chansons des Beatles de cette période, c'est après 1965, et on a composé une nouvelle chanson. Euh, enfin, C'est-à-dire, l'IA a composé avec ce modèle, a fait en faisant du sampling, de l'échantillonnage a créé d'autres chansons, on en a sélectionné une qui s'appelle, qu'on a appelé Dadiscar, -Dad -Dad que vous pouvez écouter euh, sur YouTube, qui n'a d'ailleurs pas été commercialisée pour des raisons de droit qui sont tout à fait passionnantes mais qui ne sont pas de, <laughs> de ce panel. Voilà. Ce que je voudrais montrer, c'est qu'en fait, qu'est-ce qu'elle qu a fait Lia Et là, il faut peut-être mettre un tout petit peu plus fort pour compreniez ce qu'elle a fait. En fait, j'ai joué en même temps l'introduction de Michel et un passage de la chanson qui est vers le milieu pour vous montrer que c'est exactement la le même, le même structure harmonique que Lia a reproduite. Elle pas copié, il n'y a pas de plagiat, la manche chanson est nouvelle, euh, je suis prêt à aller dans un procès dans les Beatles et montrer que la chanson est originale, ce qui est un sujet très très intéressant aussi par ailleurs. Mais ce qu'a fait Lia, c'est qu'elle a détecté ce genre de pattern très fréquent dans la musique de pop de ces années-là et des Beatles, et elle l'a réinstancié dans un contexte nouveau en faisant quelque chose d'original. Mais d'original, mais avec les patterns classiques. C'est pour ça que je, je dis, c'est une sorte de pastiche. Je vais revenir là-dessus parce que justement, le pastiche, c'est un type de, de nouveauté en fait qui revient un petit peu, qui va revenir au goût du jour avec euh, avec les Beatles. Bon, etc. Je, je, on a fait ensuite un album entier. Avec plein d'autres musiciens, avec Stromae en particulier, et puis d'autres musiciens dans d'autres domaines. Là, on s'est intéressé à faire de la composition de nouvelles chansons véritablement. Donc, on s'est inspiré. Je donne juste quelques secondes, je suis désolé, il faudrait plus de temps, mais on était très inspiré par exemple par les Bossa Nova de l'année 70 de Tom Jobim, qui est un autre monument, dans la composition. Et on a composé avec les mêmes techniques une autre chanson. Je passe sur les détails parce que là, on a composé à la fois la partition et aussi l'orchestration avec des techniques d'IA à chaque fois. On a créé une chanson qui s'appelle « Sensitive », euh, bon, que j'ai joué au Brésil énormément. Je, je suis désolé, je ne peux pas l'écouter. Allez l'écouter sur votre plateforme de streaming préférée, Deezer ou Apple Music, par exemple, euh, ou Qobuz, puisqu'il euh, doit y être aussi, euh, ou d'autres, enfin bon. Euh, et c'est une très très belle chanson, qui est très originale, qui est, euh, manifestement, mais si on regarde la partition, graphiquement, on va voir que ça ressemble un petit peu même graphiquement, ne serait-ce que graphiquement, ça ressemble un petit peu aux partitions des, des Bossa Nova. Il y a une alternance de longues notes et de notes et de croches. Il y a des choses qui ressortent, quoi. Mais c'est pas plagiant du tout. Hein. C'est nouveau, mais dans le style d'eux. Ça, c'était à l'époque Stromae qui avait arrêté de faire de la musique, après son premier album, qui est venu au labo. Euh, c'est le même et... passage qu'entre la musique organique et la musique électronique, quoi. Oui. Ou la composition électronique. Enfin, c'est une espèce de gap... Euh... C'est ouf, demain, c'est sûr, on fera, fera tous de la musique comme ça, en fait. Donc, okay, ils disent, c'est ouf, demain, on fera tous de la musique comme ça. Était, il n'était pas payé pour faire ça. Hein, c'est ouf, c'est fou, je ça précise pour les gens qui sont vieux comme moi. Mais ça, c'est très important. C'est-à-dire que ces techniques, elles sont irrépressibles. Il n'est pas question de ne pas le faire. De toute façon, on va le faire parce que tout simplement, les musiciens, les artistes, ils ont envie, parce que c'est très excitant de naviguer dans des espaces stylistiques, en fait, parce que c'est un petit peu ça qu'on fait. Donc la question est plus de savoir est-ce qu'on peut le faire, est-ce qu'il faut le faire ou quoi Non, c'est on va le faire et comment on fait pour que les gens le fassent en Europe et pas aux États-Unis ou au Japon où c'est légal et pas ici. C'est grosso modo pour caricaturer sur l'aspect du panel que l'on n'aura pas aujourd'hui, mais bon. Je poursuis euh, et j'en je, arrive au dernier album qu'on a sorti, enfin, que l'artiste avec qui on travaille a sorti euh, récemment, qui s'appelle euh, American Folk Songs, où là, il s'est intéressé à faire des covers, comme on dit en anglais, c'est-à-dire des reprises. Donc, une reprise, c'est une sorte de plagiat, c'est-à-dire que vous prenez une chanson qui existe, mais vous l'orchestrez vous différemment de la version originale. C'est un plagiat légal, puisque pour faire ça, vous allez en, en général avoir les droits en édition de la chanson originale. Euh, et là, on je veux juste montrer, je fais exprès de montrer l'exemple pour que ce soit clair ce que fait l'IA. Que, et ensuite, je, je, je conclurai. Euh, donc, on avait, en euh, l'occurrence, la voix de Pete Seeger, donc, ça, c'est un grand chanteur de blues, blues américain qui est mort aujourd'hui. Euh, et qui a, chante cette chanson qui s'appelle Black is the qui est une chanson traditionnelle américaine. On ne sait pas très bien d'où elle vient, mais elle est très connue. Il y a and beaucoup, beaucoup de versions d'ailleurs que vous pouvez écouter de cette chanson sur, euh, sur Deezer. Donc, euh, Apple. Voilà. donc euh, on, avait, on a récupéré la voix et on a eu l'autorisation de la famille de Pete Singer pour en faire autre chose. Alors on a fait quoi On l'a fait en deux temps. On s'est dit, cette voix, il n'y a pas d'harmonie, c'est a cappella. Donc on a pris des accords en feu, un peu dans, dans ce style-là, ce qu'on appelle épique, c'est-à-dire des accords très simples, qui venaient d'ailleurs d'une autre, autre source. Et l'IA, qu'est-ce qu'elle fait bah, Elle prend cette autre source, le truc qui est en rouge, et elle essaye de construire un modèle et de faire en sorte que, de, 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 de générer quelque chose qui va lui coller avec la voix, de manière à faire une harmonisation. Donc on obtient ça. I'll follow where donc, ça fait une harmonisation. Il y a des accords, ça, ça va bien avec. Bon, très bien. C'est pas, pas suffisant pour faire une version, mais c'est intéressant parce qu'on a maintenant plus que la voix, on a de l'harmonie. Et ce qu'on fait dans un deuxième temps, c'est que le résultat qui est là, on le remet en haut comme une, comme une target, et on va essayer d'harmoniser cette fois avec autre chose, avec des strings, c'est-à-dire des violons. C'est un choix artistique, et je reviendrai, je reviendrai là-dessus, des violons qui font ce genre de choses. Euh de violon qu'on appelle, qui viennent dans le style de Klaus Ogermann, qui est un grand orchestrateur euh, américain euh, des années 70. Et la LIA, qu'est-ce qu'elle fait Donc ça c'est un choix pour l'instant artistique. LIA, ce qu'elle fait c'est qu'elle génère ça. I'll power, where she goes. I'll ça c'est du synthétiseur, c'est pas très beau. Donc il y a encore une étape en ensuite où on va renderiser, quand on, va, on va transformer ces sons pas beaux en sons beaux, avec quoi Avec une autre IA spécialisée là-dedans, qui sert en effet... Euh, trouver des sons et euh, les, les, les dessins. Black, Donc je vous fais juste écouter quelques secondes. Ouais, je ne peux pas aller en avant, en, en, en fast -forward, face forward avec Bon, je, je, je crois que j'ai rentré peu de temps. Je vous invite à écouter ça. Mais l'orchestration est vraiment magnifique. Très jolie, très mélo harmoniquement enfin, mélodieuse, originale, etc. etc. Je, je passe, je suis désolé, j'ai peu de temps. Euh, si vous avez, un, vous, avez un, vous avez des extraits, oh, je suis désolé, je, je dois aller vite. Bah, si vous voulez, je peux parler pendant trois heures, mais je crois qu'il y a des trucs après. Tout ça, je ne fais pas pourquoi je fais ça. Pour vous dire, qu'est-ce qu'elle a fait, Léa En fait, elle a fait tout le boulot. C'est-à-dire vous écoutez ces morceaux, vous avez la, loi, la voix originale, ça qui a été enregistrée par Pete Seeger, tout le reste a été fait par l'IA. Mais c'est pas tout à fait vrai, et ça, ça rejoint quelque chose euh, qui a, qu qu a été dit précédemment, euh, qui a été dit par, euh, par Christophe et, euh, en particulier, c'est-à-dire qu'il y a quand même eu, un, quelque part, un être humain qui a, qui a fait des choix. Qui a choisi d'abord de, de, de prendre cette voie-là, bon, mais qui a surtout choisi les sources, c'est-à-dire les, les choses qu'on a mises en entrée des algorithmes. Ce a, donc le choix du training set, le choix des données d'apprentissage dans ces domaines artistiques, il est absolument crucial parce qu'il y a un nombre quasiment infini de choix possibles et on ne sait pas entraîner une machine pour faire des bons choix. On ne sait pas, ça n'a pas de sens, le problème est mal posé. Euh, euh, donc, c'est forcément une intention artistique qui va, euh, qui va être euh, nécessaire pour faire un choix qui lui va être éventuellement intéressant. J'ai veux... encore quelques secondes ou pas donc, Je vais donner un, un dernier exemple de ce que fait une IA en musique, c'est ce qu'on appelle le transfert rythmique. Et, euh, donc, euh, le transfert rythmique, c'est que vous prenez un morceau, par exemple, ça c'est un termezzo de Brahms au piano, c'est du piano polyphonique. C'est un morceau relativement connu. Et vous essayez de vous écouter ce morceau, vous dites d'accord, il y a une espèce, de, il, y a, il y a le morceau lui-même, mais il y a juste le rythme. Si vous essayez de dire, d'enlever, de, de, de séparer le rythme et l'harmonie. Donc le rythme, ça fait des teintes, des teintes, des vagues, d'accord. Pirement, on prenait un autre morceau quelconque, par exemple celui-là, Schubert, impromptu. Donc, c'est complètement différent, c'est pas, pas la même période, c'est pas le même rythme, c'est pas la, la même harmonie. Donc, ce qu'on va pouvoir faire en un clic maintenant, c'est prendre le rythme de l'un avec l'harmonie de l'autre. Donc, ça donne ça. Vous avez le rythme, la vague de, de, de Brahms avec l'harmonie de, de Schubert qui n'est pas du tout pareil. Alors, ça. Vous pouvez faire les deux sens d'ailleurs. Vous pouvez faire euh, le rythme du premier que l'harmonie de l'autre ou, ou, ou l'inverse. Ça donne des résultats complètement différents. Maintenant, vous avez 100 morceaux de musique. Vous avez déjà 20 000 possibilités. Bon, la musique, des morceaux de musique, il y en a 50 millions dans euh, le catalogue de, de Deezer. Donc, euh, <laughs> 50 millions, il faut le multiplier par lui-même et par deux. Juste pour ça. Donc, vous, avez, vous, avez, vous allez avoir des, des, des possibilités gigantesques. D'accord alors, je veux, sauf s'ils insistaient, faire un bis, je, je parlais d'autre chose, mais je vais conclure là-dessus. Les techniques, et a dit Christophe, tous les jours il y en a des nouvelles, euh, très puissantes, on ne connaît pas les limites. Euh, ça ne veut pas dire qu'on pense que ça va tout faire, c'est-à-dire qu'il y a des choses de plus en plus puissantes sur la capacité de ces techniques à analyser des corpus et en détecter des patterns que même les êtres humains ne verraient pas. Euh, et ça, en effet, c'est pas stable. <laughs> euh, moi, ce que je voudrais, là où je voudrais insister, c'est que dans les domaines créatifs, c'est-à-dire tous les domaines qui sont mal posés, et pourquoi ces domaines sont intéressants Parce qu'en effet, il ne s'agit pas de cancer ou de guerre, mais ils sont intéressants parce qu'au fond, c'est la seule chose où l'être humain arrive encore à faire mieux que la machine. Donc, euh, tu l'as dit, et je le répète, et tu as raison on est dépassé partout, sauf sur les domaines créatifs. Donc ces domaines sont de plus en plus importants, et en particulier au niveau européen. Et, euh, et il va falloir, je pense aussi, encourager euh, les gens dans l'éducation à se pencher sur les problèmes créatifs, c'est-à-dire les problèmes mal posés. Et donc, euh, pour, ces, pour ces domaines mal posés, l'IA euh, s'infiltre aussi, mais euh, elle crée des nouveaux actes créatifs, si je peux, euh, si peux m'exprimer comme ça. Que, et en particulier, il y en a deux, mais il y en a beaucoup d'autres. Le choix de ce que vous allez donner à la machine est crucial, et ça, c'est un choix artistique, c'est un acte créatif nouveau, qu'il va, qu va falloir protéger, qu'il va falloir mettre en avant, enseigner, euh, expliquer, qui n'est pas du tout trivial, puisque là, on n'en est qu'au début. Le choix en sortie, puisqu'on fait de l'échantillonnage la plupart du temps, ça veut dire qu'on a des méthodes probabilistes qui vont pas donner la meilleure solution, mais qui vont en donner plein. L'orchestrator, le système dont j'ai parlé à la fin, on lui fait générer un million de solutions, puis après on regarde là-dedans, on essaie de trouver les plus typiques, etc. Le choix à la fin de la solution que moi, artiste, je vais vouloir euh, diffuser, c'est ce qu'on appelle en anglais la, la curation, et maintenant le mot existe en français, je vérifie, la curation, donc il y a un, un mot horrible, mais qui veut dire je choisis avec une intention artistique. Donc euh, ça, c'est très nouveau. Parce qu'avant, les, les, les artistes, ils ne choisissaient pas, ils faisaient directement les objets euh, dont ils étaient euh, euh, auteurs, si vous voulez. Donc maintenant, la, la, le choix, et qui va d'ailleurs être assisté par l'IA aussi bientôt, ce qui est d'ailleurs un peu paradoxal, est un nouvel acte créatif. Donc il ne faut pas dire que parce qu'il y a l'IA, les artistes euh, vont disparaître. Non, ils vont faire beaucoup, ils vont en fait faire des choses très différentes, et ils vont d'ailleurs euh, euh, avoir des outils qui vont euh, démultiplier euh, probablement... Euh, euh, leur possibilité. Ça, ça me paraît très clair après les expériences que j'ai faites. Au passage, on est les seuls, pour l'instant, dans le monde, à avoir à la fois développé les techniques d'IA pour faire ça et les avoir utilisées, effectivement, pour faire de la vraie musique avec des, des vraies audiences. L'album Hello World a eu 12 millions de streams, ce qui est, ce qui est pas mal pour un artiste qui, qui n'existait pas auparavant. Je conclue. <laughs> Je vois pourquoi vous rigolez, mais bon. <laughs> connaît bah, si, 12 millions, c'est pas mal. C'est pas non plus euh, Ed Sheeran, c'est 2 milliards. Donc, euh, c'est pas Ed Sheeran, mais c'est mieux que la plupart des artistes euh, qui, eux, euh, n'ont pas euh, forcément euh, la possibilité de faire ce genre de choses. Le truc le plus intéressant, c'est ça. C'est qu'en fait, avant l'IA, en matière artistique, il y avait grosso modo deux concepts. Il y avait le truc nouveau et le truc qui est pas nouveau, et donc qui est plagiant. Et le plagiat, c'est pas bien. Il y a des procès. Et c'est pas bien. Et entre les deux, il y a ce que les covers en anglais, les reprises. Les reprise, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, mais qui est encadré légalement. D'accord Enfin, grosso modo, vous avez le nouveau, pas nouveau. Avec l'IA, vous avez plein de nouveaux concepts. Vous avez nouveaux concepts de nouveaux. D'accord Donc, j'ai parlé du pastiche. Le pastiche, c'est nouveau, parce que c'est pas plagiant. Et c'est pas mal. Et ça existe depuis longtemps. Sauf que maintenant, on va pouvoir en fabriquer... Beaucoup. Mais vous n'avez pas que le pastiche, vous avez des explorations stylistiques, ce que j'ai aussi montré avec Hello World. Vous prenez un style et vous explorez, vous allez, vous allez plutôt vers la, la, la frontière du style. Vous allez explorer en général la frontière. C'est là que c'est intéressant, éventuellement un tout petit peu plus loin. Si vous allez trop loin, ça cesse d'être intéressant parce que vous tombez dans le, dans le random. Mais donc l'exploration stylistique, c'est nouveau. J'ai parlé de transfert aussi, harmonique, euh, rythmique, expressif, etc. Les transferts, ça crée du nouveau. Il n'y a pas de doute, le morceau que je vous ai joué là, quelques secondes, il est complètement nouveau. Et personne ne peut attaquer pour plagiat. Bon, en l'occurrence, c'est du domaine public parce que c'est Brahms. Mais même si c'était des choses protégées, c'est n'est pas plagiant, c'est nouveau. Mais ce n'est pas un nouveau du même ordre que les nouveaux traditionnels. C'est un nouveau qui est un nouveau transfert stylistique. Et il y en a plein d'autres. Il y a les hallucinations, ce qu'on fait surtout avec les images. Vous avez vu les images Google, où vous avez un arbre qui ressemble à un chameau, etc. Bon, ça, on dit toujours, c'est ce qu'on verrait. C'est ce qu'on voit quand on prend du LSD. Bon, moi, je ne l'ai jamais fait, personnellement, mais euh, c'est un type de nouveau particulier, l'hallucination, en général, qui n'a pas de sens, qui n'a pas de structure, mais qui est quand même intéressant. Et là, je veux juste terminer là-dessus. Voilà, il y a des nouveaux concepts de nouveau. C'est très intéressant, c'est très riche, C'est pas du tout destructeur, c'est constructeur, parce qu'on parce qu crée, crée beaucoup de choses nouvelles. Par contre, ça crée beaucoup de problèmes, et pas simplement techniques, mais aussi pédagogie, et surtout, l'ego, voilà. Merci.